Donc première question, donc pour déterminer l'image de 3, ben il suffit de calculer f de 3, on remplace x par 3. Donc vous reprenez votre calculatrice, vous remplacez x par 3 et vous devez tomber sur 1,024. Alors déterminer le sens de variation de f. Donc si on applique notre cours, le cours de notre cours, ce qu'on a vu en classe, donc on a vu en classe que quand la valeur de petit a là était plus petite que 1, la fonction est décroissante. Quand la valeur de a est plus grande que 1, la valeur est croissante. Donc ici, petit a est plus petit que 1, puisqu'il est égal à 0,8. Je multiplie par un nombre positif, la fonction f est donc décroissante sur r, car petit a est plus petit que 1. Alors, que va faire ce script? Alors, donc j'ai la fonction qu'on a définie ici, hein, 2 fois 0,8 à la puissance x. Je démarre à 0, tant que f de x est plus grand que 1, j'avance. Donc que fait ce script? Donc il va nous donner la valeur, il va afficher la valeur de x. Donc print x, là il va afficher la valeur de x dès que f de x va être inférieur ou égal à 1. Donc il affiche la valeur de x dès que f de x est inférieur ou égal à 1. Donner la valeur de ce programme, ben, qu'est-ce qu'on veut? Ben, vous prenez votre calculatrice, vous pouvez faire le, vous écrivez votre fonction sur votre calculatrice, donc 2 fois 0,8 à la puissance x, je démarre x égale 0, après je fais un pas de 0,5, donc je démarre à 0, je fais mon pas de 0,5, je fais mon tableau de valeur, alors mon, ça va, donc tant que f de x est plus grand que 1, f de x il est plus grand que 1, il est égal à 2, j'avance. Plus grand que 1, j'avance. Plus grand que 1,6, plus grand que 1, j'avance. Plus grand que 1, plus grand que 1, etc. J'arrive ici à 0,91. Cette valeur-là est plus petite que 1, donc j'arrête. Il arrête et il me renvoie 3,5. Donc donner la valeur de x affichée par ce programme, donc x. Le programme va afficher. Le programme va afficher 3,5. Si on le vérifie avec le script Python, donc moi j'ai écrit le script Python que voici, donc c'est celui que je vous avais mis dans votre copie. Donc si je fais exécuter, donc j'ai bien mon script, hein. Donc j'ai mon script que je vous ai écrit dans votre sur la copie. Quand je vais le faire exécuter, ben la valeur affichée 3,5.